Go win the game là. En vrai j'ai mal joué celle-ci mais bon ça va péter les couilles, on a passé la game à AFK genre. Tiens, de tomber contre une Vayne cœur gelé Ginsu, il s'est pas amusé. Et Vayne est un personnage qui fait des dégâts à un item. Tu préfères toucher de l'herbe ou 3 heures dures, je te jure je préfère toucher de l'herbe hein. Tous les jours hein. C'est grave, j'ai l'impression que tout le monde est addict à Smash en ce moment. Bah, je ne peux pas être addict à ce jeu en fait. En fait le problème c'est que j'aime trop le regarder, mais encore une fois c'est le jeu où quand je vais y jouer, je vais me rendre compte que je suis trop nul et je vais péter un plomb genre. Je joue un jouable en multi avec les serveurs en carton, ouais j'ai cru entendre que c'était compliqué en multi. Le jeu est trop dur, vaut mieux regarder, ouais, je te jure, c'est comme Trackmania. Hein. Trackmania, jeu injouable. Le Stark dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam. Et moi dans mon tableau des offres, j'ai toujours le streamer New World pendant une heure contre 3000$. Je ne vais pas streamer New World pendant une heure, foutez-moi la paix, mettez-moi chose. Mettez-moi streamer League of Legends pendant une heure. Ok, vas-y, encaisse. Non, mais il faut être 8000 spectateurs pour faire 3K. Ce qui ne sera jamais le cas. Si on a 2000 de moyenne, c'est le bout du monde. Ban Senna Jana, Chad. ICV, 12 champs. Really. En fait, les OP, entre guillemets, les OP, les bounty Twitch proposés par Twitch, c'est archi sous-payé par rapport à ce que ça devrait être payé. Et du coup, Twitch se met bien, quoi. CVA, Chicken, Bacon, Onions. Pourquoi c'est une game Landry? Parce que contre Akali, Lee Sin, Syndra, Broom, mon ulti ne servira à rien. Non, ouais, je vais faire mur à mana Landry cette game. Parce qu'en fait, je vous explique, tu joues cette technologie quand c'est impossible pour toi de mettre un ulti. Et dans cette game, c'est impossible pour moi de mettre un ulti. Ah. Fuck. Si je l'avais cancel, ça aurait été lourd de ouf. Oh, il me touche ça. Il troll lui, non? Oh, il va s'en sortir. Nice, on l'a bien bait. Ok, bon je vais revenir sur la ligne avec mon Z, du coup je vais aller assez vite. Il a plus de points de vie, alors crash la wave et reset je pense. Timing du gank du Zac. Non mais le timing du gank était nul à chier, j'ai juste forcé l'action genre. J'ai joué comme un débile en fait. En fait c'est sur un timing où je veux reset, je veux crash la wave et reset. Mais moi tu en respect hein, en 2v1. Un peu illégal qu'il ait le droit de rester, mais bon. C'est pas à nous, ça, j'imagine. Hein. Je vais prendre ça et je vais reset. Laissez-moi back. Ah, c'est pas une wave. Je vais perdre la wave encore. Bon, tant pis. C'est bien joué ça. Nice. Ah putain, mais il veut pas me lâcher le cul lui hein. Oula. Gros coup de marteau dans sa mère lui. Tranquille, 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 je sais ce que je fais. I know what I'm doing. The situation is under control. Ah putain, mon support savait pas ce qu'il faisait par contre. En vrai, je suis en 3-1-1. Après, j'ai vraiment l'acide des kills, quoi. En gros, là, le principe de mon build, ça va être d'envoyer des E. Que concrètement, contre la compo adverse, je ne peux rien faire d'autre.
J'ai pas eu le canon. Courez les collègues. Je pense que la tour est done, hein. Oh. Ok. My bad. Je m'attendais pas à ça. Ok. Nash. J'ai vraiment un Nash pourri, hein. Zach out damage Kid. Zach ou la Sunfire? Ok. Il met bien ce Zach. Très très important la CDR dans ce setup là. Feel me. Ah merde. Et ça fait en dernier item là. Ça fait une mot je pense, hein. Cours mon grand. Oh il fait mal, hein. Il a Lord Dominique regarde Eclipse. Il est en full anti-tank mission. Oh let's go, de la haste et de l'attack speed. J'ai 112 de haste. Bah du coup ça me permet de faire des dégâts, quoi. Bon là pour le coup j'ai plus ulti parce que le Zach il est astro fed, quoi. Il est là. De dégâts magiques j'ai fait. En vrai de vrai, c'est vraiment pas mal ce build dans certaines games.